C'est toujours une première question, et c'est, on va poser cette question même avant que nous parlons de la pointe courte. Je suis curieux. La question, c'est, est-ce que tu veux fermer ton portable? C'est la question. Oui, justement, que tu dois voir le portable, oui. Mais qu'est-ce que était le tout premier film que tu as vu dans la vie? Je crois que c'est Blanche-Neige et les Sept Nains sur une grande place de Bruxelles. Il y a un très grand cinéma. Il y a c'était comme cinéma. Je crois qu'il s'appelait Eldorado. Et on a emmené toute la famille voir ça. Et c'est avant la guerre. C'est peut-être 38 ou comme ça. J'ai 1938 peut-être. Ouais. Et j'ai pas beaucoup aimé le film, je dois dire. Parce que je trouvais que c'était une idiote. Une idiote, parce que elle faisait la bonne, elle faisait la servante de ses nains, et en plus, elle tombait amoureuse d'un type affreux. Et je me souviens. Par contre, j'ai eu peur de la sorcière. Et après, ça s'est arrêté. J'ai vu, je crois que quand j'ai fait ce premier film, que certains d'entre vous m'ont vu ici hier, je crois que j'avais vu peut-être 7 ou 8 films à 25 ans. Je n'avais pas vu de film. Donc j'ai vu Blanche-Neige, c'est vrai. Pendant la guerre, il y a eu un film en couleur qui s'appelait La Ville Dorée. C'est Harland, The Golden State. C'est un film nazi. Un film nazi, absolument. Et après, j'ai aimé Jacques Prévert. Alors j'ai vu les films dont il avait fait le scénario. Quai des Brumes. Je sais pour laquelle, et Les Enfants du Paradis. Ça, j'ai vu quand je faisais mes études en classe. J'ai vu deux fois Les Enfants du Paradis. Et j'ai vu aussi L'Idiot, parce que c'est Gérard Philippe qui tournait dedans, et que moi, je le voyais au théâtre. Ça veut dire que quand je me suis jetée dans le cinéma, contrairement aux jeunes gens très brillants de la Nouvelle Vague, qu'on appelle de la Nouvelle Vague, qui étaient beaucoup d'entre eux critiques, connaisseurs, critiques, on dit toujours qu'ils ont usé leur culotte, leur fond de culotte sur les bancs de la cinémathèque. Je crois qu'ils avaient vu beaucoup de films. Et ça les a rendus sans doute très heureux, parce que moi, quand j'ai commencé à voir des films, je me suis dit, tiens, c'est bien ça, c'est bien le cinéma. Mais j'ai commencé, pendant que je faisais le montage de La Pointe Courte, avec un monteur fort sympathique, très généreux, qui s'appelait Alain René. Il m'a dit, tu sais qu'il y a une cinémathèque à Paris, rue de Messine. J'avais jamais entendu parler. Donc, si on veut me coincer avec l'histoire de la cinéphilie, elle a commencé très tard. J'ai commencé très tard à voir des films. C'est ce qui explique aussi peut-être que si j'avais vu les chefs-d'œuvre qui sont dans le cinéma, je ne pense pas que j'aurais commencé avec autant de liberté. Je crois que ma grande liberté de La Pointe Courte, c'est en partie mon ignorance. Mais tu avais un lien avec le théâtre, parce que tu étais photographe pour le scène nationale. Et d'ailleurs, c'est vrai que le dialogue que j'ai écrit pour le couple, puisque je pense que j'ai vu le film ou pas, vous avez vu le film? Oui, puisqu'il y a la chronique des pêcheurs et il y a le dialogue du couple. Le dialogue du couple, je l'ai vraiment voulu littéraire. Je pense pas théâtral, mais littéraire. Et tout à fait écrit, c'est-à-dire c'est pas du tout du langage parlé, c'est pas du langage naturaliste. Et d'ailleurs, comme j'ai dit hier, que les deux acteurs, Sylvia Montfort et Philippe Noiret, ont été très, très généreux de venir faire ce film. Et le cher Noiret, c'était son premier film, et je pense qu'il s'était dit qu'il allait jouer du cinéma. Et je lui demandais de pas bouger, de pas exprimer, de se tenir droit comme ça, assis. Et il a dit plus tard que, évidemment, il a fait une carrière que vous connaissez, puissante, mais il a dit qu'il avait souffert parce que je ne lui disais pas, même pas d'exprimer ce qu'il disait. Je lui ai demandé d'être comme... Pour moi, j'avais vu des nos japonais où les gens parlent comme ça, sans bouger. Il paraît d'ailleurs que dans le no, quand on ferme les yeux une minute, ça veut dire qu'on souffre énormément. Deux secondes de paupières, donc j'étais pas à ce point-là, mais presque. Donc Noiret a souffert de ce dialogue qu'il trouvait bien, lui, mais il aurait voulu jouer.
il y a d'autre part la chronique. Alors, je lui dis, mais c'est vrai, évidemment, c'est parce que j'avais beaucoup été dans ce village. Ce n'est pas un village, c'est dans la ville de Sète. Ah oui, si ta caméra est là. Pas de bouteille, pas de publicité. Verre d'eau, oui, ça va, c'est joli. Et tu sais... Cette ville de Sète, c'est une ville, peut-être quelqu'un la connaisse. Il y a un petit triangle comme ça qui rentre vers l'étang de Thau. Car la ville, elle est entre la mer et un grand étang salé. Et ce petit triangle qui s'appelle la Pointe-Courte, j'y allais beaucoup. J'avais des amis qui m'avaient dit, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est beau. Et effectivement, avant même le tournage, avant 54, j'ai beaucoup été parler à ces pêcheurs, à leur famille. C'était tellement particulier, d'origine italienne, alors pourtant qu'on est près d'Espagne, et très traditionnaliste, pêcheur de père en fils, de grand-père en père en fils. Et c'est vrai qu'ils m'aimaient bien, parce que je venais aussi avec des gens de Sète, et j'avais pris beaucoup de notes. Évidemment, il n'existait pas les petites machines maintenant qui enregistrent le son. Donc, c'était pas question d'enregistrer, mais quand je rentrais chez moi le soir, j'essayais de recopier, pas ce qu'ils m'avaient raconté, mais des expressions typiques, des choses qu'ils disent qui sont les mêmes quelquefois en patois. Le père, le vieux père, à un moment, quand on lui dit que les gendarmes sont venus, il dit « Aïe venir le vomi », ce qui en patois, mais ça veut dire « ça fait venir le vomi ». Traduction, c'est dégueulasse. Et donc, ces choses-là, j'écrivais aussi leur rapport de famille et tout ça, qu'évidemment, c'était... Les pères ne voulaient pas marier les filles et tout ça. Donc, j'avais beaucoup d'une documentation sur ces pêcheurs et j'essayais qu'ils aient un langage naturaliste, comme ils parlent entre eux. Mais je n'avais pas du son direct, qui a été vraiment un malheur, parce que, évidemment... Même s'ils ont dit les choses qu'on avait convenu plus ou moins de dire, le doublage, pour moi, il a beaucoup abîmé le film. Et on ne pouvait pas leur demander de venir eux-mêmes se doubler, c'est difficile d'être synchrone. Il aurait fallu les emmener dans un studio à Montpellier, c'était pas possible. Donc on a fait comme on a pu avec des gens qui avaient un petit peu l'accent. Moi, ça me fait beaucoup souffrir, c'est-à-dire que le film, pour moi, il est pas bien, mais bon... On a fait, c'est déjà exceptionnel pour moi, extraordinaire, avec presque pas d'argent, qu'on a pu tourner une caméra 35 mm, un vrai travelling de longueur. Et le type qui m'a aidé, c'était un type formidable, il s'appelait Carlos Villardebeau. Et c'était un jeune type qui faisait des courts-métrages, il en avait fait deux. Et quand j'ai parlé du scénario, il dit, mais on va le faire. Mais comment on va le faire? Je vais trouver une équipe. Et c'est lui qui a commencé à chercher des techniciens qui accepteraient de venir là-dedans. C'est lui, non seulement, il y avait le directeur de production, l'assistant, on parlait du film tout le temps. Et quand on aime le tournage, c'est lui qui poussait le travail. On était trop peu, donc tout le monde était polyvalent. Et sa femme, qui était script de métier, elle s'occupait de tout, elle s'occupait des convocations, de qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là. Elle prenait les bobines, parce qu'on tournait dans les bobines de négatif 35. Elle les portait, on avait acheté une 2 chevaux. Pour pouvoir faire des travelling, on enlevait le toit. Je ne sais pas si vous connaissez ces chevaux, les 2 chevaux qui étaient des petites voitures comme ça, très formidables. Elle allait porter les bobines à la gare pour les envoyer au laboratoire. Elle allait rechercher les bobines après. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait 3-4 métiers professionnels, alors qu'en tout, avec les acteurs, on était 7. On habitait tous, et un de plus qui habitait la ville. On avait loué une petite maison, une grande maison, même pas à 7 parce que c'était trop cher, on l'avait loué à 7-8 km de 7 parce que les villas étaient moins chères. On habitait tous la même maison. Il y avait une dame espagnole, Bienvenida, la maman d'un petit garçon qui était là qui s'appelle Ulysse. Et Ulysse, j'ai fait une photographie d'Ulysse. Et j'ai fait un film qui s'appelle Ulysse, un court métrage. Mais à cette époque, elle nous aidait à la maison. Il y avait une chambre pour Philippe Noiret, une chambre pour Sylvia Montfort. Une chambre pour le chef opérateur, qui était vieux, il avait 31 ans. Il était là avec sa femme. On avait l'impression que c'était un adulte professionnel très vieux. Et tous les autres, par 2 ou 3 dans des chambres. Et moi, j'avais installé un lit dans le garage avec une moustiquaire, parce que j'avais peur des... Comment ça s'appelle ? Des petits lézards qui piquent, là, des scorpions.
Il y avait des scorpions au garage. Alors j'avais accroché un voile comme ça. Je me mettais dans le lit. Et quand j'étais dans le lit, j'installais le voile pour fermer, au-dessus de ma table, pour ne pas être attaqué par les scorpions. Évidemment, tout ça, c'est un peu exagéré. Ça a l'air exagéré, c'est la vérité. Et elle faisait la cuisine pour tout le monde. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le défraiement. Ils n'avaient pas le droit d'aller au restaurant. S'ils voulaient aller payer, ils n'allaient pas. Et à midi, on mangeait des sandwichs au milieu de la pointe courte, en plein soleil, parce que, ou alors quelquefois, ils nous prêtaient une cabane. C'est-à-dire, c'était un tournage très dur. Je dis ça parce que je sais que tous ceux qui commencent, tous ceux qui font leur premier film, ils savent que c'est difficile. Souvent, il n'y a pas d'argent. Souvent, il y a des bénévoles. Souvent, il y a un chef opérateur qui vient aider, un acteur qui vient aider, même des professionnels. Je sais, parce que mon fils, il a souvent fait, Mathieu Demy, il a fait l'acteur gratuitement pour des courts-métrages. Et quand il a fait son premier court-métrage, il a trouvé des techniciens aussi qui acceptaient de venir presque pas payés ou comme ça. Même Wim, ce merveilleux acteur, était venu. Donc, il y a une grande générosité, mais qui était tout à fait rare en 1954. Et c'était très rare de faire un film quand on était jeune, parce qu'il y avait un circuit. Il fallait d'abord troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant. Même Antonioni, il a été assistant de Renoir. Il y avait un chemin professionnel comme ça, et moi j'ai court-circuité tout ça. Mais évidemment, je n'avais pas appris, je n'avais pas été à une école de cinéma, je n'avais pas été assistante, j'avais rien du tout, donc je me suis jetée comme ça dedans. Et j'ai fait ce que je croyais faire, et je me suis rendu compte, quand Alain René a montré le film, il a dit que j'avais tourné vraiment comme une sauvage, parce que j'avais écrit un plan. Là, j'avais fait des photos, la caméra est là. Le plan suivant, la caméra est là. C'est-à-dire, il n'y avait pas du tout ce qu'on apprend aux jeunes cinéastes à faire, c'est-à-dire des protections. C'est-à-dire, le même scène filmée d'une autre place, ou de plus près, ou de plus loin, pour que si par hasard on a des difficultés de montage, on peut utiliser un moment de cette scène. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout le monde voit ce que je veux dire. Ça, et, ou alors des plans de coupe. On met un verre qui fait comme ça, et alors ça permet de changer, de recommencer. Bon. Toutes ces sécurités normales qui se font sur les tournages, même si on a un projet très précis, je ne les avais pas. Alors René a dit, on n'a même pas de possibilité de monter autrement que ce qui a été écrit, ce qui a été tourné. Par contre, évidemment, il avait la possibilité de faire des bons raccords, de trouver le bon moment, de m'aider à ce que ce ne soit pas trop gauche, pas trop maladroit. Et il a dit, on ne va pas... Il m'a fait rire parce qu'il a dit, dans un montage, on peut dire, on va faire des acrobaties. Prendre un peu de ça, un peu de ça, pour essayer de voir si on va un peu changer le rythme du film. Et il a dit, non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ce projet comme il est. Simplement, au mieux possible. Et c'est ça que j'ai appris de René, qui était déjà un très bon monteur, qui avait déjà fait Guernica, qui avait déjà fait un film sur Van Gogh, d'ailleurs, en noir et blanc. Je ne peux même pas croire qu'on fait un film sur Van Gogh en noir et blanc. Bon. Eh bien, ce monteur qui était expérimenté, il m'a appris une chose extraordinaire. Il m'a appris, il faut respecter le projet qu'on a. C'est-à-dire, le projet, il est idiot, il est intéressant, il est innovateur. Il est ce projet. Et il faut avoir confiance dans ce qu'on a cru qu'on veut faire. Donc, le film est sorti tel que, hein, d'une certaine façon, avec la brutalité du scénario, la brutalité des partis pris, et quelque chose que je croyais une innovation, c'est de ne pas respecter la perspective sonore. C'est-à-dire qu'en général, les gens sont au premier plan, et puis quand ils s'éloignent, quand ils s'en vont dans le plan, le son s'éloigne. Quand ils sont très loin, ils murmurent, ou bien alors on revient à gros plan. Et je ne sais pas si ça se remarque, mais ils parlent toujours au même niveau, comme si un commentaire près de la caméra. Quelquefois, ils s'éloignent très loin. Ils vont jusqu'au bord de l'eau, ils continuent à dire « je ne sais pas si c'est moi que tu aimes ou notre amour, etc. » Et après, on revient près d'eux. Il y a une continuité de niveau sonore du couple sans tenir compte de la perspective des images. Donc, toutes ces choses-là que j'ai pensé qui étaient bien, on a dit qu'on les respecterait, même si c'est une erreur peut-être, même si on n'entend pas bien, même si les gens disent « mais qu'est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils sont ?» C'est comme ça. On a gardé les partis pris, qui étaient assez radicaux, je veux dire, et particulièrement de monter, comme c'était écrit, un chapitre de couple,
un chapitre de pêcheur, un chapitre de... Et je dis chapitre parce que c'est le mot qu'on emploie en littérature. Et que j'étais très impressionnée par un livre. Je lisais beaucoup à l'époque un livre de Faulkner qui s'appelait White Palms. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Les Palmiers Sauvages, dans lequel il y a en effet deux histoires. Il y a deux escapés du bagne qui s'essayent de se sauver sur le Mississippi, de survivre, et un couple qui a un problème de couple et qui part. Et ils sont absolument un chapitre, un chapitre, un chapitre. Et quand j'ai lu la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais ça m'a énervée. Alors j'ai dit, attends, j'ai lu les chapitres 1, 3, 5, 7 pour suivre l'histoire. Et après j'ai lu 2, 4, 6, 8. Et après j'ai dit quand même, s'il a fait comme ça, il a une raison. Alors, j'ai relu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose de mystérieux de le mettre comme ça à côté, sans aucun rapport. Il se passe quelque chose qui est peut-être du phénomène de l'osmose, ou de quelque chose de la pensée, un peu comme il y a la persistance rétinienne. Il y a une sorte de persistance de la pensée qui fait que le lecteur, finalement, crée quelque chose avec ça. Donc j'ai fait la même chose dans cette construction, avec la seule différence que les deux histoires sont au même endroit. Le pêcheur sont dans la pointe courte, et les deux se voyagent dans la pointe courte, parce qu'il est né là. Et j'ai repris, effectivement, je me rends compte, quand j'ai fait, le dernier film que j'ai fait dans les salles de cinéma s'appelle Les Plages d'Agnès, et j'avais dit, si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages, moi si on m'ouvre, on trouvera une plage. Et je me rends compte que c'est la même idée, c'est que elle, si elle veut comprendre cet homme avec qui elle vit, il faut qu'elle aille là où il est né, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que son paysage mental. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a intéressée d'une façon persistante. Voilà, c'est un peu tout ça qui est à l'origine du film. Et comment j'ai pu le faire grâce à des gens. Et comment dans ce parti pris, d'une part littéraire, et d'autre part sans aucune connaissance de cinéma, j'ai pu faire cet ovni, enfin je ne sais pas ce qu'on peut dire, de ce film. Et qui évidemment a eu extrêmement peu de spectateurs. Il est sorti 2 ans après, un tout petit cinéma pendant 3 semaines, 2-3 semaines. Et je pense que sur 60 ans, ouais, 59 ans, il a eu très très peu de spectateurs. Les meilleurs spectateurs étant alors dans les cinémathèques qui ont tout de suite voulu le film. Toutes les cinémathèques ont voulu une copie. Et dans des projections spéciales, entre autres à la Cinémathèque Royale de Belgique où Jacques Ledoux avait tout de suite repéré ce film. Il a osé montrer dans une soirée spéciale ciné-club où il y avait tous les gens chics et bourgeois de Bruxelles. Il a osé leur montrer ça. C'est une énorme salle, la salle de Palais des Beaux-Arts. Et j'ai été comme ça extrêmement soutenue. Mais on peut compter les spectateurs, l'addition. Disons que c'est un film qui n'a pas fait de carrière et qui n'a même pas remboursé les 7 millions d'anciens francs. C'est quelque chose de ridicule, tellement c'est peu. Et si, quand même, ça a remboursé, parce que ma mère avait prêté 3 millions sur les 7. Là. Et on a pu, dans ce qui est rentré, tout de suite la rembourser. Parce qu'il n'y avait pas de... comment on appelle ça, frais généraux, des trucs comme ça, non. Quand l'argent rentrait, il y avait la moitié pour ma maman qui avait mis de l'argent et la moitié pour l'équipe. Mais l'équipe, c'était terrible. Ils avaient 18 points, 28 points, 35 points. Et je leur envoyais chaque année des sommes risibles. Lamentable, j'avais honte. Je sais pas, 80 francs anciens, 150 francs, des sommes qui représentaient rien du tout. Alors, au bout de 7 ans, quand moi j'ai commencé un peu à gagner de l'argent, j'ai dit, écoutez, c'est impossible que vous ayez toujours cette participation de coopérative qui vous rapporte rien. J'ai calculé leur salaire, s'ils avaient été payés, je l'ai doublé et je les ai payés en disant, avec 7 ans de retard, on paye un petit salaire. Minimum syndical, mais parce que, et j'ai bien fait parce que le film a continué à gagner 2 sous, 4 sous, parce que c'est pas les cinémathèques qui payent beaucoup quand même, il faut dire la vérité. Et le public, le vrai public, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2-3 projections par an. Et finalement, on a eu une fois la télévision qu'il a acheté. Il a montré dans le ciné-club un peu tard. Mais sinon, voilà, c'est un film qui reste un film
de cinéphiles, de cinémathèques, de connaisseurs, de curieux, de voilà. Et parce qu'il a commencé d'une façon très particulière, il a continué. Est-ce que tu as connu André Bazin qui a écrit un texte admirable sur ce film? Est-ce que tu as connu personnellement Bazin? Alors René, quand il faisait le montage, m'a dit, il y a deux personnes à qui il faut montrer le film. André Bazin et Pierre Brunberger, qui était un producteur de courts-métrages, qui était très dans la nouvelle vague. Je regrette que Laurence Brunberger ne soit pas là, sa fille. Donc, on a fait une projection privée dans une salle aux Champs-Élysées, on a loué la salle. Il y avait Bazin et Brunberger. Brunberger, ah, c'est trop bien, très bien. Et Bazin a dit, oh, mais quel film extraordinaire. Il m'a dit, il faut le montrer à Cannes. Je lui ai dit, comment à Cannes? Au Festival de Cannes. Évidemment, il n'était pas question de le sélectionner, quoi que ce soit. Il dit, voilà, vous venez à Cannes, vous louez une petite salle, rue d'Antibes, qui marche toujours, qui s'appelle Vox. Mais à l'époque, le Festival de Cannes, en 1955, il y avait très peu de films. C'était un tout petit festival. Et vous louez une salle, et moi, je vais vous aider. Et non seulement il a fait un article dans ce qu'on appelait la cinématographie française, un peu le film français comme ça. Il a fait un article pour dire aux gens, venez, je crois qu'il avait mis un film libre et pur. Il a dit, venez à la salle Vox. Et il m'a dit, écrivez. Alors, il m'a donné les noms de tous les gens que je devais inviter. Il m'a aidé à faire les enveloppes avec sa femme, Janine Bazin. Dans sa chambre de l'hôtel suisse, on a fait les enveloppes. Il m'a dit, il a regardé où, dans quel hôtel ils étaient. J'ai été à pied pour dire les enveloppes dans tous les hôtels de ceux qu'il fallait inviter. Alors, il y avait dans la salle peut-être 30 ou 40 personnes que je ne connaissais pas, de toute façon je ne peux pas me rappeler, que Bazin avait suggéré de venir. Et lui, il est revenu voir le film. Et après, je l'ai connu, lui et Janine. J'ai été les voir à Nogent-sur-Marne. Il était d'une gentillesse, j'allais même dire d'une timidité, d'une discrétion extraordinaire. Et il a tout fait. Quand le film est sorti, 2 ans après, dans ce tout petit cinéma, il était journaliste au Parisien Libéré. Il a fait ce très bel article que tu as remarqué et que nous avons utilisé. Parce qu'on ne peut pas faire mieux que d'être commandé par André Bazin. C'est vrai, non? Absolument, oui. Qu'est-ce que tu penses que quelques années après, tu étais nominé comme la mère de Nouvelle Vague avec ce film? Parce que ce petit film a ouvert tellement. Mais c'était quelques années plus tard. D'abord, évidemment, parce que c'est 5 ans après qu'apparaissent ces 400 coups, la rue de souffle et tout ça. Et il y a eu un article, j'ai vu ça. Une fois, j'ai eu une grande projection au Palais de Chaillot, on m'avait prêté le Palais de Chaillot pour montrer des films. Et Jean Douché a fait un article dans un truc qui s'appelait Art. Il avait mis « Le jeune cinéma lui doit tout ». Il y avait une petite photo de moi, et en dessous, il y avait écrit « L'ancêtre de la nouvelle vague ». J'avais 30 ans. Et je me suis dit « Oui, ancêtre à 30 ans, moi maintenant, je pense que je suis un dinosaure ». Nous avons un petit film, un petit extrait sur la Pointe-Courte. Est-ce que tu peux expliquer? C'est parce que, évidemment, je gardais de très bons rapports avec les gens de la Pointe-Courte. J'y vais presque souvent, presque chaque année. Je vais voir les joutes, vous savez, ces combats sur 2 bateaux comme ça que j'adore. Les gens disent toujours, mais vous ennuyez pas à voir ça? Pas du tout. Je pourrais rester tout dimanche après-midi, attendre, en espérant qu'il tombe. Exactement comme les gens regardent le football, des heures en attendant qu'il marque un but. Hein. Ils ont de la patience. Enfin, alors, j'y vais souvent quand... Chaque 5 ans, on fait une projection dans un cinéma de 7. Et ils amènent leurs parents, leurs petits-enfants, leurs enfants, parce que c'est leur carnet de famille, même s'ils ne sont pas tout à fait contents. C'est quand même leur album de famille. Donc, j'ai connu les enfants, les petits-enfants. Et malheureusement, il y a beaucoup de morts, évidemment, ceux qui sont dans ce film. Quand ils sont vieux dans ce film, ils sont morts, évidemment. Et j'y vais souvent. Quand il y a eu un DVD, avant de faire DVD, il y a eu des VHS. On a fait une séance spéciale avec du vin blanc, ils ont eu des VHS et tout ça. Et voilà que récemment, j'ai fait une série de chroniques. Ça s'appelle Agnès de Cid de la Varta. J'ai été dans beaucoup de pays, rencontrer des gens et aussi rencontrer des artistes.
J'ai fait justement à 7, j'ai fait un grand entretien avec Soulages. À Paris, j'ai fait un grand entretien avec Boltanski et tout ça. Mais comme j'étais à 7, j'ai été à 7 et j'ai filmé parce que je ne peux pas m'empêcher. Et on va vous montrer ce tout petit extrait où je retourne à 7 et je montre dans cette chronique que je vais évidemment avec la pointe courte et je tombe sur une surprise que je vais vous proposer. C'est qui m'entend? Ok. L'extrait. De la pointe courte. La juive. Celle-là était à la Et toujours les filets, les hangars et les garages. J'aperçois des photos de mon film, tiens. Ces photos, elles étaient au foyer. Et comme ils les avaient mis au hangar, j'ai dit ces photos comme il y a toute ma famille, j'ai dit moi je les veux, je les récupère. T'as du culot, hein. Mais t'as montré qui y a de ta famille. Mais tu vas pas me demander qui c'est en famille. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, mon frère, moi, ma fille. Elle me demande comment si elle ne connaissait pas la famille. Mais je ne connais pas toujours chaque nom, chaque prénom. C'est Louis, ça. Mon amour de Louis. Voilà, ça c'est mon frère. Oui. Ça, c'est Joseph. Raphaël, ça. Oui, ça s'appelait dans le film, il s'appelait Raphaël. Mais... Non, c'est moi, Raphaël. Dans le film? Oui. Et ton prénom? Oh là là, Agnès. Je m'en vais de la tête. Ton prénom? Marcel. Marcel. Alors, tu jouais Raphaël? Oui. Et ton frère? Et il faisait rien du tout. Et il s'appelait? Il s'appelait rien du tout. Oui, je commence. Oui. C'est normal, je suis plus vieille que toi, hein, attention. Eh, quand même, c'est lui plus vieille, d'accord. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Dans le film, j'avais 23 ans. Ah oui, eh ben voilà, moi j'avais 26, ça marche ça. Hein, c'est bon? Moi j'avais 26, on est raccord. Ah bon. C'est qu'on était nous à côté de Philippe Noiret et de Sigamon Montfort. C'était nouveau ça pour moi. Agnès, elle est venue à la maison pendant, avant le film. Et la mesure, elle nous pose des questions. Et c'est d'après tout ce qu'elle a recueilli qu'après, elle a mis dans le film. C'est-à-dire qu'elle a retracé l'histoire de mon... Ça, c'est ma grand-mère maternelle. Mon grand-père ne voulait pas donner sa fille à mon père. Nous sommes d'accord? Je vais t'apprendre, moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu es trop jeune, je ne veux pas te vivre quand. Maman, elle s'est mariée à 19 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le rôle... Du jeune homme, de l'amoureux. De mon père. Hein. J'ai fait le rôle de mon père. Et puis, il avait fait venir cette... La petite Banégas. La petite Banégas. Du marché, qui a dit que c'était le rôle de ma mère. Ah oui, voilà. Ça revient. Moi, j'ai que ce film à me rappeler. Toi, t'as tellement fait des films. Les ménages, il y a tout, tu peux pas te rappeler les premiers. C'est pourtant facile de se souvenir des joutes dont le rituel n'a pas changé. Celle-là, filmée en 1954, et celle-ci en été 2010. Différente, car de nuit et sans rameur. Ce sont des joutes juniors sur des barques à moteur. Il y a des gamins très jeunes, mais l'attente est la même jusqu'à ce qu'un des jouteurs tombe. Le plaisir est le même. Ce jeune est déclaré vainqueur, comme le personnage de Raphaël dans le film. Alors là, il dit... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, évidemment, je perds un peu la mémoire. Et lui, quand il dit, on n'aime que ce film dans notre vie, alors on connaît tout par cœur. Mais c'est tellement amusant quand il dit, ça c'est lui qui jouait le père, ça c'est mon père, elle jouait ma mère. C'est incroyable comme histoire. Et particulièrement, c'est dégoûtant parce que c'est lui qui était le jeune homme, le héros, Raphaël, celui qui gagne le jour, celui qui est amoureux. Et je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu ce jour-là ou je ne l'ai pas connu tout court. Et c'est terrible parce que le temps comme ça fait que le film a son propre temps. Et le vrai temps nous rattrape. Et c'est même terrible parce que, évidemment, j'ai vite fait ce DVD. Je suis retournée à la pointe courte pour le lui apporter. Ça.
et il était mort. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le temps, mais la mort qui marque comme ça le temps, ce temps qui se passe entre un film de gens, de vraies personnes, et la réalité d'aujourd'hui. Et moi qui ai un peu perdu la mémoire, mais je n'ai pas perdu la vie. En ce moment, un groupe des amis est formé parce que tu as déjà mentionné Alain René qui a tourné Nye Bruyère avec Chris Marquet. On groupe toujours, vous trois ensemble, oui, comme ça, des amis éternels. C'est Richard Wald qui avait fait le Festival de London, qui avait fait un article en l'appelant The Left Bank. Dans le Left Bank, il avait mis Marker, René et moi. Plus tard, il a ajouté demi. Nous avions comme particularité d'habiter la rive gauche et d'avoir des idées de gauche. Alors que toute l'équipe Cahiers du cinéma avait le bureau aux Champs-Élysées et n'était pas particulièrement attirée par les idées de gauche. Donc il y avait cette scission qu'on sent dans les films d'ailleurs. Qu'on sent dans des films comme Les Cousins, des films comme ça. Alors qu'évidemment, René et Marker et moi, bon, on faisait des manifestations, on avait des opinions, on signait des choses et tout ça. Et donc, mais de là à nous faire un trio d'amis pour la vie, mais pas du tout. Moi, j'ai été tellement reconnaissante à René d'avoir fait le montage, et j'ai continué à le voir, pas tellement. Et Marker, par contre, alors, demi, je l'ai beaucoup vu, parce que j'ai commencé à habiter avec lui. On a même, finalement, même en plus, on s'est mariés. Ce qui n'était pas nécessaire, peut-être, mais enfin, c'est vrai. Alors, demi, je l'ai beaucoup vu. Et Marker, je l'ai gardé en amitié, vraiment, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait comme travail. Même quand il est parti à faire Dimanche à Pékin, il m'a dit, prête-moi l'appareil de photo, explique-moi comment on fait les photos, je veux dire. J'ai dit, voilà, tu prends le reflex, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et bon, c'est-à-dire que même quand il est rentré de Pékin, il lui manquait des plans. J'ai dit, viens, on va aller filmer tous les inserts, tous les petits animaux, toutes les images. Mais c'est pas pour ça, mais on est gardé en relation très bonne avec Marker. Et c'est vrai que il a fait un travail, surtout un travail documentaire tellement formidable, et des commentaires tellement beaux, que d'ailleurs Le Seuil avait édité comme commentaire. Et moi, ça m'a donné vraiment encouragé à penser que un film est très beau, muet, un film de documentaire est quelquefois très bien si on dit rien du tout. C'est même intéressant, certains documentaristes qui ne touchent rien, qui laissent le temps, en quelque sorte la longueur des plans et la vérité du temps qui passe. Moi j'ai choisi une autre formule, j'ai choisi par exemple, quand j'ai fait Les Glaneurs et la Glaneuse, que vous avez peut-être vu, un documentaire sur des gens qui ramassent dans les champs, qui ramassent dans les marchés, qui regardent les poubelles et tout ça. C'est aussi parce qu'il y avait changement de technique, changement de caméra, on pouvait filmer avec des petites caméras. Mais le parti pris que j'ai eu, c'est de les écouter, de tout enregistrer, de tout renoter, et de choisir ce qu'il y avait dit de mieux, c'est-à-dire faire un montage des moments de leurs paroles par rapport aux moments de leurs actions ou de leur habitat, ou de... C'est-à-dire, c'est une forme de documentaire où il y a du montage, il y a du commentaire. Mais c'est pas du tout pour ça que je veux dire qu'il faut faire comme ça. Il y a des très beaux documentaires où on laisse juste filer le temps et l'espace, y compris des gens qui se répètent et tout ça. Parce que ça aussi, ça a un grand intérêt. Donc, chacun fait comme il veut, comme on dit. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est que l'évolution des techniques, on le sait, quelquefois à l'origine des choses, on a beaucoup dit que la nouvelle vague a pu se développer avec cette façon de filmer, parce que des pellicules Tri-X, des pellicules rapides étaient arrivées, qui permettaient de tourner avec moins de lumière, avec pas de lumière. Lola, il n'y avait pas de projecteur. Godard aussi faisait des trucs, ça. Et d'être beaucoup plus libre de filmer les gens dans la rue et tout ça. Et de la même façon, moi j'ai connu tout, j'ai connu 35 mm, 16 mm, et j'ai connu cette révolution des petites caméras, au tournant des années 98, 2000, comme ça, et je n'aurais pas pu faire Les Glaneurs s'il y avait un chef opérateur avec une caméra vidéo, mais moi j'ai fait moi-même
On a même calculé, j'ai fait moi-même 25 minutes toute seule avec une petite caméra, dans des circonstances où le respect des personnes, leur difficulté de vivre, ne permettait que ce genre de rapport. C'est-à-dire une personne et une personne. Et je leur expliquais que c'était mon métier, je ne leur cachais pas que c'était pour faire un documentaire. Mais je leur disais, je suis contente d'être avec vous toute seule pour qu'on puisse parler. Et c'est-à-dire, c'est du dialogue. Après, je garde ce qu'eux disent. Ce n'est pas du questionnement de télévision. Ce n'est pas pourquoi vous êtes là, comment ça se fait. C'est plutôt, j'essayais d'établir un dialogue entre ma situation confortable. Moi, je rentre. Le soir, j'ai un lit, j'ai une couverture. Et il fallait créer un dialogue possible entre des gens qui n'avaient pas tout ça, sans faire la fausse pauvre, sans faire la super riche, trouver un dialogue où moi je fais ce travail et j'essaie de rendre compte de leur vie. Et l'idée de témoigner de leurs difficultés était tout à fait acceptée, mais quelquefois justement parce que j'étais seule avec eux. Et donc, c'est très amusant parce que c'est dans les glaneurs que vous avez vu peut-être cette chose qui était incroyable en suivant les patates jetées, on est tombé, je suis tombée sur des patates en forme de cœur. Ça m'a tellement impressionnée, je les ai ramenées à la maison. Et la deuxième chose qui m'a impressionnée, c'est que je les ai gardées et j'ai vu qu'elles vieillissaient. Et qu'en les mettant sur des verres, ou sur un pot, ou à la cave dans une boîte en carton, ces patates se mettaient comme ça, vieillissaient et en même temps regermaient. Revivait avec des radicelles légères. J'ai été tellement impressionnée par ça, je me suis dit, ouais, il faut que je photographie ça, il faut que je filme ça. Et à l'occasion, c'est celui-là qu'on va montrer, c'est Venise, n'est-ce pas? Oui. Et vous verrez, j'ai été invitée pour la première fois en 2003, et ça a été le commencement de ma troisième vie, de ma vie d'artiste, où j'ai compris qu'on pouvait oser des choses que je n'avais pas osé avant, c'est-à-dire espérer trois écrans. J'ai demandé trois écrans de 3 mètres sur 4, tout simplement. Occupé 15 mètres comme ça d'écran. Et j'ai vu, parce que j'ai eu l'occasion de commencer, que j'avais envie de faire ça. Et depuis, j'ai fait des installations et des choses très différentes. Alors je vais demander à vous montrer Venise et les patates, pour que vous voyez comment, d'un documentaire, on passe à l'imaginaire, à la réalité, et tout d'un coup, à un désir de création, où le cinéma est autrement utilisé. Je le montre parce que souvent les gens de cinéma n'ont aucune idée de ce que je fais maintenant. Et un autre que si on veut montrer aussi. Bon, Guy, il peut... Extrait numéro 2. C'est Venise. Moi, j'aime toujours mieux montrer ce que je fais que parler. C'est à Venise qu'Agnès Varda a commencé sa vie d'artiste contemporaine. Elle connaissait bien la ville et ses îles pour y avoir préparé un film, La Mélangite. Et le détail d'une peinture de Gentile Bellini lui avait inspiré un autoportrait en 1962. Et la voilà de retour à Venise. Car Hans-Ulrich Obrist l'invite à la Biennale d'art de 2003 dans son projet Utopia Station. Chaque artiste devait créer une affiche et une œuvre. Agnès, ravie de côtoyer d'autres artistes, comme Boltanski, a créé un costume de patate, une affiche et un triptyque, Patate Utopia. Les pommes de terre en forme de cœur, découvertes en tournant les glaneurs, étalent leurs germes et radicelles sur trois écrans. Au sol, un tapis est fait de 700 kg de patates. Au centre, les patates respirent.
Stop. La galerie Martine Aboukaya a repris. S'il te plaît, stop. Et si on montre un autre, il faut mettre les sous-titres anglais. Pour recommandation, qu'est-ce que s'appelle cette DVD merveilleuse dont sont les experts? On peut acheter ce matériel. Ah, on peut acheter l'installation Patate Utopia avec 700 kilos de patates, si vous voulez. Non, on peut acheter le DVD qui s'appelle De ci, de là. Agnès Varda, De ci, de là, Varda. Non, Agnès, c'est-à-dire ce 45 minutes de voyage, de choses d'artistes, où j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai rencontré. Parce que j'aime beaucoup filmer une marchande de poissons à Mexico et aller au musée après. J'aime beaucoup rencontrer des gamins qui font de la gymnastique dans la rue, et ensuite parler à des gens qui ont des choses intellectuelles à dire. J'aime beaucoup le mélange parce que je ne peux pas séparer. La vie, elle est de toute façon faite de tout à la fois. Alors, je pense que je dis ça parce que j'étais contente de vous montrer ça, pour vous montrer que je fais tout à fait autre chose maintenant que le cinéma. J'avais un voyage, mais est-ce qu'on a le temps de montrer un petit tour à Pékin? Non, mais il y a la matière de plus. Oui, mais ça dépend de la permission du chef. Jusqu'à quelle heure on a le droit? On n'a pas tellement de temps maintenant. Bon, alors, on oublie. Alors, je vais dire que dans cette amitié que j'ai eue avec Marquer, on repart en arrière là, et qu'il m'a gardé sa confiance et son amitié. Depuis au moins 20 ans, Marquer ne voulait jamais qu'on photographie. Il ne voulait pas qu'on filme, il ne faisait pas d'interview. Une fois, il en a fait un à travers Second Life, très particulier. Donc, en fait, moi, j'allais le voir dans son atelier, qui était un bazar formidable, et un jour, j'ai dit, écoute, je prends ma caméra. Il n'a pas dit non. Donc, j'ai filmé son atelier. Et puis, je suis retournée un autre dimanche. Et il me parle quand même. Alors, on a ses mains, on a lui qui parle, on a sa voix. Mais évidemment, je peux dire, c'est le seul document qu'on a de l'atelier de Marquer, parce qu'il ne voulait que personne vienne. Donc, j'avais fait ça dans De ci, de là, avec son accord, bien sûr, ça l'avait fait rire beaucoup. Et quand il est mort, j'avais un petit peu plus de rush, j'ai ajouté 3 minutes. Donc, c'est ça qu'on va vous montrer, qui s'appelle Dans l'atelier de Chris Marquer, et qui dure 9 minutes. Et parce que c'est pas parce que je l'ai fait, c'est parce qu'on est content de rentrer dans ce bazar secret qui est resté secret, mais au moins dans la profusion des objets, il y a, et tu sais, j'avais fait un texte, je me dis, on a tous quelque chose de Marquer en nous, et là, il y a un petit accès à ce quelque chose. Sous-titre, hein, attention. Et c'était un privilège parce que, comme tu sais, nous savons ici une rétrospective. Surtout que toi, tu étais très ami de lui. Oui, oui. Mais aussi, il y a entre toi et Chris Marquer, il y a cette similarité que vous avez fait tous les genres du cinéma, sans aucun limite. C'est formidable parce qu'il n'y a pas tellement de cinéastes qui ont utilisé tous les moyens du cinéma. Et lui aussi a fait des installations sur la fin de sa vie. Installations, c'est comme toi aussi. Compris. Mais parce que on a des outils, il y a des outils qui se présentent, des nouveaux outils, comme on est curieux, et que l'idée c'est quand même toujours de partager des images. De même, j'avais envie de partager cette formidable forme des patates, que moi je trouve magnifique. J'espère que les gens vont les trouver magnifiques. Et Marquer, chaque fois qu'il avait une idée aussi, quand il a fait Chat-Perché, il voulait partager les choses qui l'avaient impressionné, comme ça. C'est quand même l'idée du partage. Quand même. Ok, l'atelier, Chris Marquer. Merci pour le cadeau inoubliable. Et pour toi qui étais son ami. Oui, j'ai souvent visité. C'est chaque fois que j'étais à Paris, j'étais là. Mais là, d'entendre la voix, moi, chaque fois la voix, ça me fait. Oui, c'est très, très touchant, mais c'est aussi un portrait énorme. C'est vraiment un grand. Non, mais tu as vu la seconde grande life. Intimité, c'est respectueux aussi, parce qu'il ne voulait pas être filmé. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais rentrée dans la seconde life. J'ai demandé à une étudiante qui avait été à
Callard, et qui est ma voisine, j'ai dit, fais-moi mon petit avatar, fais-moi danser Guillaume. Et alors je l'ai présenté à Marker avant de le mettre dans le DVD quand même. J'ai dit, faut que tu vois, est-ce que tu es d'accord? Il a répondu, il a fait, c'est bien. Oui, mais c'est très, moi j'aime beaucoup quand il fait la queue à la FNAC. D'abord il commence par photographier des vendeuses, et il met les photos dans une enveloppe, il leur donne sans leur dire. Mais j'aime beaucoup qu'il lit son petit poème d'Apollinaire. Il arrive à la caisse, excusez-moi, avant de payer, j'ai pas fini mon poème. C'est quand même rigolo. Un vieux monsieur rigolo, quoi. Je suis très désolé, mais notre time is up. Maintenant. Je croyais qu'il y avait des questions à partir de midi. Peut-être quelques questions. Oui, oui. Pourquoi manger c'est, non, on m'a dit une heure et question. Alors, une heure, c'est okay. Juste maintenant. Okay. Question, pas question, d'accord. D'accord, absolument, oui. Alors, question. J'ai une question. Je crois que ce serait intéressant que tu nous parles un peu de la numérisation de la restauration de la Pointe Courte ici. Oui, quand même. D'autant que c'est un minimum que je dois à la Cinéthèque de Bologne. Parce que le bonhomme, là, Farinelli, il a dit, je veux restaurer ce film pour avoir du matériel et le garder. Ce qui est un grand honneur, évidemment. Comme j'ai dit, c'est vrai que c'est un film qui est aimé par les cinémathèques. Mais cette histoire de restauration, vous avez compris que c'est parce que maintenant, on va projeter de plus en plus des fichiers numériques. Et non seulement les distributeurs, les cabines de projection, ils n'ont plus du tout envie de transporter cette bobine de 300 mètres, de les coller. Donc, on est en train, dans l'évolution technique des projections, d'aller vers le DCP. Mais ça coûte beaucoup d'argent, presque pour chaque film. C'est entre 90 000 et 110 000 euros. Et que, évidemment, les productions ne peuvent pas. Tous ceux qu'on a restaurés, particulièrement pour la rétrospective de Jacques Demy, qui est en ce moment à la Cinémathèque française à Paris, on s'est fait aider de tous les côtés, tout ce qu'on a pu. Et donc, on a dit, après, on va un peu s'occuper des films d'Agnès. Et il y a eu deux chances, c'est que la Film Foundation de Scorsese a décidé de restaurer les films tournés en Californie, et Jean-Luc a dit, nous, on va prendre en charge la Pointe Courte. Alors c'est quand même formidable, parce qu'évidemment, on a apporté le négatif original 35, ils ont fait ce travail de scan qui se fait image par image. Ensuite, il y a des équipes que j'ai vues, parce que je suis venue beaucoup à ce labo, il y a des équipes, l'équipe du matin à Youk qui recommence à 5h, qui, avec la palette graphique, nettoie toutes les saloperies, parce qu'il y en a le temps, les négatifs ont un peu traîné, ils ont un négatif qui a quand même 59 ans. Donc, ils l'ont nettoyé, pas trop bien. Ensuite, avec Jean-Domenico qui s'occupe de l'étalonnage des noirs et des couleurs, quand il y a de la couleur, on a repris, séquence après séquence, plus gris, moins gris, plus contraste, moins contraste. C'est un travail de grande patience, c'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs, et que quand le metteur en scène ou le chef opérateur est encore vivant, dans le cas de la Pointe Courte il y a que moi, donc je suis venue, j'ai passé une semaine avec ces techniciens formidables, et après tout ce nettoyage, il y a une saisie JPEG 2000 pour qu'on crée un matériel qui permet de faire des DCP. Et c'est donc un DCP qui a été montré hier, et pour moi d'une qualité magnifique. Et je ne dirai jamais assez combien je suis reconnaissante à cette cinéthèque, hein, d'avoir fait ça. Mais c'est parce que, tu vois, c'est court, mais je veux bien parler longuement, parce que c'est, quand je disais on a évolué avec les techniques, moi c'est une évolution qui ne me fait pas tellement plaisir, hein, parce que moi j'aime pas beaucoup retourner en arrière comme ça, s'occuper des vieux films, moi j'ai plus envie de faire des patates utopia, moi. Est-ce que quelqu'un, juste dans la salle, avait vu une seule fois une de mes installations? Combien? 3 personnes? 4? C'est la proportion. 3 sur une salle, 3, 4. Et j'ai eu la chance qu'au Festival de La Rochelle, ils ont montré Patates Utopia l'année dernière. Mais le monde du cinéma, le monde des arts, est tellement séparé que très rarement les gens vont voir ce que font les cinéastes. Et certains ont commencé à faire des installations hérissées. Bon, alors, question.
Moment. Je vais te faire la question. Oui, mais je dis le fort et ah voilà la dame. Je vais comprendre mieux pourquoi vous faites. Non, je comprends très bien que vous faites des installations avec un grand plaisir. Et comment est-ce que. Qu'est-ce que c'est que vous a poussé un artiste ou des autres à vraiment? Ou c'est seulement. C'est une, comment est-ce passé que vous avez fait ça? Comment je suis passée de cinéma à installation? Des artistes qui vous ont aussi des amis ou des artistes. Non, qui ne m'ont pas accompagné, mais moi je vois les expositions depuis des années, depuis toujours. Et vous avez. J'ai pensé que vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes jeune. Pas tout à fait. J'ai vraiment. Le premier jour où j'ai fait le premier pan de la pointe courte, je me vois encore, il y a une photo, je suis à genoux devant cette maison. Et je me souviens même que l'assistant m'avait dit, on va commencer par des plans généraux, faut que tu t'habitues, etc. Donc j'ai dit, on va commencer par la séquence la plus difficile, avec cette famille et l'enfant qui meurt. Parce que j'ai eu tout d'un coup le goût du cinéma vraiment très vif, très fort. Et pendant des années, ça me convenait bien, j'avais arrêté de faire de la photographie, je ne faisais que du cinéma. Et puis, c'est vrai que je l'ai raconté, que les planeurs, ces patates en forme de cœur, presque naturellement, m'ont donné envie de traiter cette matière. Et puis j'ai envie surtout de sortir de l'écran plat avec les gens dans la salle, c'est formidable. On rêve d'avoir une salle pleine. Mais il y a quelque chose que j'aime dans les musées aussi, c'est qu'il y a un rapport différent avec des spectateurs différents. J'ai fait même des installations, les Veuves de Noirmoutier, où il fallait prendre un casque, il y avait 14 chaises. Il fallait prendre un casque pour écouter une et changer de chaise pour écouter une autre. C'est-à-dire, j'essaye de travailler sur le rapport au spectateur, au regardeur et... Puisqu'il s'agit de partager, mais on peut partager de différentes façons. Et mes installations partagent de différentes façons. On n'a pas 200 personnes en même temps qui regardent une chose et qui sont un peu pris. On a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui reviennent, qui ont envie de... Je ne sais pas. C'est parce que je ne me suis jamais arrêtée de penser qu'on peut évoluer dans ce qu'on fait, dans le rapport qu'on a avec les gens. Quel rapport, quel partage on souhaite. Quelle solitude on souhaite, quel secret on veut, et qu'est-ce qu'on veut partager. Je pense que c'est un travail qu'on n'arrête pas. Je n'ai pas beaucoup de gens, mais j'ai encore la tête pour faire ce travail. Et je pense qu'il faut taper sur les gens pour qu'ils s'arrêtent de rêver, de créer, parce que c'est un privilège d'avoir envie de créer, je trouve. C'est difficile, les conditions sont épouvantables. Je fais des choses qui ne se vendent pas la plupart du temps, mais j'ai ce grand plaisir, vraiment, d'utiliser mes capacités de regarder, de monter. Je fais des vidéos, je fais un certain montage. Les dispositifs sont différents. L'espace est différent. Cette histoire des patates utopias, c'est vraiment bien quand on le voit. Moi, j'ai vu des Chinois regarder Patates Utopias et être un peu impressionné. J'ai vu des gens dans d'autres pays. Et ça veut dire que c'est un langage aussi qui est muet, qui est un langage qui passe par d'autres canaux, d'autres fils. Et pour moi, c'est tout à fait passionnant de finir ma vie. En plus, je vais vous dire, j'ai pas envie de faire un tournage de long métrage, d'être neuf semaines debout à côté de la caméra, je peux plus. Alors, comme ça, c'est clair. Tous les tournages que je fais maintenant, c'est jamais plus que 4-5 jours. Alors, j'arrive bien à le faire. Mais je pourrais faire un film avec des paquets de 4-5 jours. Peut-être, je vais réfléchir. Domanda in italiano. Qui abbiamo visto Model Shop di Jacques Demy, preceduto da un filmato che ci ha raccontato alcune vicende relative al film, la ricerca dell'attore, un'intervista di Harrison Ford. E ci sono anche dei repertori in cui si vede la signora Bartali. Vorrei chiedere qual è il suo ricordo di questo film di Jacques Demy. Évidemment. Comment tu me demandes si je me souviens d'un film de Jacques Demy? Je le connais très bien. J'étais avec lui quand il a été... Ah, je parle en français, tu peux comprendre? Oui. J'étais avec Jacques Demy, il a été invité par la Columbia à faire un film. Et en vérité, après le succès des Parapluies de Cherbourg et de Demoiselle Rochefort, ils attendaient qu'il fasse un grand film américain avec des ballets, de la musique, il avait le temps, il avait l'argent. Il restait à Los Angeles, on était installés là-bas.
Et très curieusement, avec, je pense, des paradoxes intérieurs qui existent chez tout le monde, il a eu envie de faire un film discret, un film à la façon de la Nouvelle Vague, si j'ose dire, parce qu'il était touché par la situation de ces petits soldats qu'on appelait au Vietnam, exactement comme on avait connu ces petits soldats qu'on appelait en Algérie qui n'avaient pas envie d'y aller, des causes qui étaient injustes et que les jeunes gens étaient quand même obligés de partir. Et il pensait que le personnage de Lola avait continué sa vie. Il imaginait bien qu'elle était à Los Angeles, déçue par la vie, déçue par son grand amour, qu'on avait vu partir à la fin du film Lola. Et il a tout de suite écrit ça, il a commencé à travailler avec une fille qui s'appelait Carole Eastman, et il a écrit ça. Évidemment, c'est un film très beau sur Los Angeles, très juste, très rêveur. Tu as vu ça? Oui. C'est un film très particulier, avec un regard sur Los Angeles, qui est vraiment le regard d'un étranger, mais qui essaye de comprendre. Et je peux vous dire que pour le studio Columbia, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils étaient fous furieux. Fous furieux. Ils ont fait une chose dégueulasse. Dégueulasse, Five de Mielobo, mais comme on dit à la pointe courte. Ils ont montré le film en double bill dans les drive-in. Vous savez, les gens qui sont dans les voitures, qui payent et qui attraient. Une horreur. Il a été absolument humilié par ce studio parce qu'il n'avait pas fait ce qu'ils espéraient qu'il ferait. Quelque chose entre les paroles de Cherbourg et Chantons sous la pluie. C'était ça qu'ils espéraient et c'est pas ça qu'il a vu. Et parce qu'il était profondément honnête par rapport à son inspiration, il ne s'est pas forcé à faire un film hollywoodien et il l'a payé très cher. Mais le film Model Shop est très beau. Il est très particulier. Je pense que ceux qui le voient sont pris dans cette sorte de c'est pas, il y a comme un silence, une compréhension de la ville très, très intéressante. Et il a été restauré récemment par Sony Columbia, parce que nous sommes très contents. Ils nous ont permis de le montrer dans les rétrospectives de Jacques Demille. Vous avez commencé comme photographe, vous avez dit que vous avez laissé la photographie pour le cinéma, mais vous ne croyez pas qu'avec le numérique, vous avez recommencé à être témoin avec votre voix des choses que vous filmez, comme vous l'étiez en tant que photographe. Je pense à Ulysse, à Salut les Cubains, ces films où vous avez utilisé la photographie et avec votre voix, vous avez utiliser le spécifique de la photographie, être témoin, être là. Et je trouve que vous le faites aussi avec le numérique dans des films comme Le Granel de la Grèce ou dans les installations comme Lila Elle. Disons, vous avez peut-être récupéré ce témoignage qui est de la photographie avec le numérique. Vous êtes d'accord, vous avez songé, vous êtes d'accord avec ça? Mais je me sers encore de la photographie quand j'ai besoin pour les installations, ou j'ai recommencé à faire un petit peu des portraits. J'ai commencé à faire des portraits et j'ai surtout fait un travail récemment, je ne peux pas vous montrer, mais qui est une photographie, un portrait à l'ancienne, argentique, tiré argenté qu'on met au mur. Et je fais une vidéo qui va sur les deux côtés, une vidéo qui a un trou au milieu des autres. Parce que j'essaie et qui représente un peu ces gens. C'est-à-dire, je suis encore toujours avec ce questionnement. Qu'est-ce qui est spécifique à la photographie? Qu'est-ce qui est spécifique au cinéma? Comment est-ce qu'on peut faire une jointure exactement comme j'avais toujours la partie en moi documentaire et la partie en moi fiction? Comme on a toujours cette tendance à savoir que pendant qu'on est bien, il y a des choses pas bien qui se passent ailleurs. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Et c'est-à-dire que j'essaye toujours de casser cette frontière entre fiction et documentaire, entre photographie et cinéma. Je travaille toujours dans cette No Woman Land où on peut poser des questions. Madame, est-ce qu'il y a encore? C'est la dernière question, disons. What's one word of advice that you would give us young and upcoming independent filmmakers? Conseil pour un cinéaste jeune d'aujourd'hui. C'est difficile. C'est difficile, évidemment, mais on a besoin de ça maintenant. C'est difficilissime. Parce que, par exemple, les conditions extraordinaires, the condition I got to do La Pointe Courte,
are not even possible now, even though there is help between, as I told you before, young cinematographers, young actors are ready to help the first film, but it's difficult because more and more people want to make films, which is perfect. I understand their desire, but there is no room for so many filmmakers because the distributors and the cinema, the places, the theater, they don't want to have all these films. So what they give 2 weeks of film, and they say, okay, take another film. The first week we will always make a little money. But at my time, Cleo played, I don't know, 26 weeks in one or two cinema. You know, they would keep films. They would help the film to exist. Nowadays, even if you make a film not bad, they give you very little chance. You have to make a queue to get maybe in a theater in November, or maybe at the table, maybe in February we have room. What they call have room, it gives you 2 weeks. So the perspective of what's happening to young director is terrible. And in France, we have a big help. The Centre du Cinéma is helping the young directors to make short film because it's like a training, you know. And then they help for the first film. But they cannot make the society change. People stay home, they have DVD, they have VOD, they have big screens now at home, beautiful screens. They do cinema at home, you get a good DVD, you plug it, and you can invite friends. And the situation has changed so much that to start a career of filmmaker who wants to make a career in film theaters, it's, I would say, it's quite a desperate situation. I don't want to disparage you, but that's the fact that are the situation. But I'm so touched always by people having a desire to make a film. And sometimes they speak about their project and it's beautiful. Sometimes it's original. And they say, you think I can't join? I'm not saying Catherine Deneuve, but sometimes even they say that. They say, well, try. Good luck, you know, because. And Catherine herself has made sometimes film like the film she made in Liban, you know, Je voudrais voir. I mean, even actors being courageous to give their talent to young filmmakers, but it's difficult. And the companies and the distributors, they want bankable names, you know, and it's terrible because they are young, beautiful actors and actresses. They have no name and they're very good. So I see the situation as desperate, but I see also the enthusiasm of young filmmakers, and they should not give away, they should try. And you never know, suddenly a young film, you know, I was jury in Cannes of the first films, of our jury of the thing which is called a Camera d'Or, with 7 other people, very good, very attentive. We saw 27 first films in 10 days, you know, starting 8:30 a.m. And we ended up giving the prize to the first film of a young man of Singapore, his first film. It was a classical film, but so refined, so well thought, so well done. And you know, it was not like the new Orson Welles, it was just such a good film for a first film. Such well thought when felt. Then it means that for him, he said, oh my God, it's a good start, but you know, the 26 or the first film, maybe he would have loved to get that kick. It's difficult. And by being part of their dream, it's my way of supporting young filmmakers because I think they need help and they need support. It's difficult. Thank you. Okay, merci, Agnès Varnapuu, and Moma, I said too much.